Dule is a remote village in Nimba County, eastern Liberia, located less than 15 kilometers from the border with Côte d'Ivoire. It's become a place of refuge for Ivorians fleeing post-electoral tensions in their country. It's one of the many Liberian villages which are hosting the more than 25,000 Ivorian refugees. As they continue to arrive daily, the influx is straining the local population's meager resources. To address refugees' needs, UNHCR is providing aid. Ici, leur arrivée massive, tout comme dans les autres villages libériens, crée une difficulté humanitaire à la mesure où ils sont beaucoup plus nombreux que les villageois et qu'il n'y a pas suffisamment d'eau potable, il n'y a pas suffisamment de médicaments dans la région pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous sommes en train de mettre en place une assistance plus conséquente pour aider tous les réfugiés au fur et à mesure qu'ils arrivent au Liberia. Ici, par exemple, aujourd'hui, il y a la distribution de biens de première nécessité. Hundreds of refugee families are registered in this distribution center before receiving their first assistance: blankets, jerry cans, buckets, kerosene lamps, and other basic household items. The majority are mainly women and children. High-energy biscuits are also being provided to the youngsters. Most refugees fled on foot with few possessions. The aid comes as a relief to the refugees. Oui, ça change pour moi parce que vraiment ma famille va avoir à manger, bon, tout, les nattes, tout et consorts. Vraiment, je remercie beaucoup votre compétence, votre personnalité d'être présent aujourd'hui ici. Je vous remercie beaucoup, vraiment. After receiving their aid, Richard and his family are feeling hopeful for the first time in 4 weeks they've been in Liberia. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a certaines personnes aussi qui sont de l'autre partie, d'autres qui sont de l'autre partie. Donc, ceux qui sont pour l'autre partie aussi dénoncent les amis. Donc, on est obligé de quitter le coin pour ne pas qu'on ait nous ayons des problèmes. Like all the other refugees, Richard's family was helped by the local community when they arrived. On va à la maison. Allô? Ça fait un mois que nous n'avons plus rien. Parce qu'on a laissé tout et on est venu ici, on a pratiquement rien. Oui, on a été très bien accueillis ici. Au début, on a été accueillis ici. Mais quand on dit dans un coin qu'il n'y a rien, on devient quelque chose pour les tuteurs. Puisqu'ils ne peuvent pas donner tout le temps cadeau. C'est ça. On peut nous donner une fois, deux fois, mais trois fois, ça ne peut pas se faire. Puisque 13 personnes, 12 personnes, 11 personnes, ce n'est pas facile de les nourrir. Nous sommes venus la nuit avec la famille parce qu'on avait peur. Lorsqu'on entend des trucs qui se passent à Abidjan, après les élections, on a eu peur. Donc on est venu la nuit. On a passé du temps en brousse, en brousse, en brousse. On se cachait pour venir arriver ici. Parce qu'on avait des enfants qui étaient malades. C'est que l'enfant-là est malade. Il y a l'autre aussi qui était malade. Voici mes enfants. C'est là, c'est mes enfants. Inadequate health care in the village is worrying Richard, whose 7-month-old granddaughter is malnourished. UNHCR refers cases like his to distant hospitals while working to set up a camp where health and other basic services will be available to refugees on site. Un cuento.